Hop. Et salut à tous et bienvenue pour ce 15e épisode en bonne compagnie. Eh bien dis donc, ça est encore en train de continuer à me donner des ce que j'avais ouvert la dernière fois. Mais d'ailleurs, on va continuer à ouvrir des trucs, parce que j'ai une tonne, enfin une tonne, moins que la dernière fois quand même à ouvrir, mais j'ai de quoi faire. Hein. En espérant choper mes 5 ou 10 points de platine qui me manquent. Comme ça, on pourra fabriquer l'armure et finir la quête. C'est lent quand même, hein. C'est très lent. Je dois avoir des points de recherche, mais alors un truc de fou, quoi. Alors, oublie ton matériau. Parfait! Voilà. Normalement, c'est au moins l'équivalent de 10, donc je devrais avoir ce qu'il faut. Voilà, de toute façon, au pire, voilà. Bon, les crédits, c'est des crédits, hein. Ça, il n'y a pas à tergiverser pour chier droit. Une deuxième veuve noire. Et une troisième veuve noire. Bon. Mille cent dix de la Voie lactée. Et j'ai pas l'autre de... Donc il récupère 3 balles. Non, c'est ça, donc il a 3 balles en chargeur. Pourquoi j'ai compté qu'il avait qu'une seule balle dans le chargeur la dernière fois? Non, non, c'est ça, 3 balles en chargeur. Et il monte à 594. Mouais. Sachant que je crois qu'en multi, il monte à 700 et quelques. Bon, après, j'ai mon personnage qui augmente bien les dégâts. Hein. Mais je crois que c'est 700 ou 800 même qui monte en multi, ouais. Et on a 17 889 crédits. Ah oui, non, voilà, c'est là, c'est pour les autres. Et 960 de Jack. 850 de reliquats, les armes reliquats, d'accord. Alors. Sac à force, je pense à regarder aussi. Il y a Eleus et Kert. C'est bien parce que ça ne nous raconte pas ce que ça fait. Il faudra pas que j'oublie d'abord d'acheter ça avant de construire de lancer la recherche pour pour la veuve noire niveau 4. Parce que de rajouter des munitions par exemple ça. Ça je me méfie un peu parce que voilà, pour peu que y ait un mauvais angle ou quoi, et le missile il va aller dans un bout de pixel et que ça va pas le faire. Et il n'y a pas de truc pour rajouter des munitions. Cryo condensateur.
C'est excellent ça. Ça me fait un peu plus chier. Ouais. À la rigueur, porter l'arme sans s'en servir. Comme ça, au moins, on ajoute les bonus. Ça me plaît, ça. Ça, c'est énorme. Pour peu que vous arriviez à faire du one shot sur one shot sur one shot, là, les boucliers, c'est de l'angle à fond, limite. Hein. Alors, donc, on disait. Ah, ouais, oui, bah oui, donc d'ailleurs, faut que je recherche des améliorations alors. Ah non, moi, est-ce que ce soit que pour les armes? Non, attends, j'ai 4 améliorations à mettre. Non, il me manque 2 platines. Ah, je suis écœuré. Putain. Surtout que j'ai plus de combat pour aujourd'hui. Et donc, du coup, je peux me gratter pour pouvoir vous le faire pour cette vidéo-là. Ah, putain, je suis deg. En même temps, pourquoi je passe directement au placement de pionnier 2? Ça me fait chier, ça. Tout juste pour une quête, quoi. Je vais pas le garder. Alors, armure. Aha! Donc là, on voit que les armures... Pour pouvoir faire la numéro 2, il nous demande la numéro 1 d'abord. Et ainsi de suite. Donc certainement que pour les armes, ça va être pareil. Là, pour l'instant, il me demande le niveau. Mais une fois le niveau atteint, voilà. D'abord, il demande le fusil. Cyclone 1. Après, niveau requis. Ok, ça c'est mise à jour. Ça n'était pas avant ça. Donc, eh ben, on va commencer à rechercher les armes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'en pense que du bien. Alors. Donc là, lui, je peux pas le faire parce que je suis pas niveau 10. Et donc, du coup, maintenant, c'est ici. Voilà. Veuve noire 2. Et là, je pourrais mettre les améliorations. Alors, je sais pas ce qu'il y avait de nouveau comme truc, mais... Ah ouais, là c'est qu'il y a tout là. Ouais, ce qu'il y avait de nouveau, c'était le 1. Alors, en amélioration, on va faire des recherches du coup, hein. Comme ça, c'est fait. Alors, lubrifiant aérien, cadence de tir plus 35% en vol. Dégâts de technologie plus station, vol stationnaire, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. J'avais dit que de toute façon, c'est lui que j'allais chercher. Ah, lui, il est énorme. Je trouve qu'il est au top. Donc, je peux en mettre combien? Alors, on va rester un peu dessus hein, pour l'instant. Hein, vous avez compris, je pense. Combien est-ce que je peux mettre sur mon fusil? Je peux en mettre 4. Alors. Ah non, mais de toute façon, putain, il me manque 20 de beryllium. Pourquoi? Pourquoi la vie est si dure? Là, j'ai parfait. Là, j'ai ce qu'il faut. Alors, on va faire ça. Parce que j'ai envie de tester, voir quand est-ce qu'il nous propose de poser les améliorations. Donc, on peut même choisir son nom. Ok. Donc ça marche pas comme ça. Je peux pas charger. Charger la dernière sauvegarde, oui. Non,
J'ai pas le casque marchand, je m'en fous du marchand. Alors, développement. Ah non, mais ça, ok, ça sauvegarde automatiquement. Alors, profil. Non. Partie. Charger une partie. Sauvegarde manuelle. Parce que tous les autres, c'est des sauvegardes automatiques. J'en veux pas. Alors, développement. Eh ben apparemment non, on peut rien. Je comprends pas comment on fait pour y mettre des trucs dessus alors. Ça paraît bizarre ça. Ah, moi ce que ça que sur les armures, ça serait con. Je vous fais une petite magie du cinéma et je vous reprends tout de suite. Et me revoici. Alors, donc on disait pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver comment implanter les trucs dans les armes. Donc probablement parce que dans les armes on ne peut pas. Et pourtant lui si je peux. Mais lui par contre je peux pas. Donc il doit y avoir des armes qui doivent être possibles et d'autres non. Ben lui oui, il y en a 4 dans le placement. Et lui par contre il n'y en a pas du tout. Ouais, par exemple le Viper 2 c'est pareil, il y en a 2, alors que dans le Viper 1 il y en a 0. D'accord. Donc mieux vaut attendre, bah de toute façon je vais attendre le... ...547... Eh, le veuve... Ouais mais voilà, c'est lui qui a qu'une seule balle dans la chargeur, voilà. C'est lui qui est beaucoup plus pénible. Il fait plus de dégâts mais... Forcément, la cadence de tir, elle s'en ressent de loin. Moins de précision et un peu plus lourd en plus. Ouais, eh ben, pour l'instant, on va rester avec notre fusil de normal. Hein. De toute façon, on en a récupéré un de veuve noire, donc voilà. Un nouvel email vous attend sur votre terminal. Oui, je sais, Sam, je sais. Et donc, on va faire opération prioritaire. Parler à Addison sur le Nexus. De toute façon, il faut que j'aille sur le... C'était quoi ça? Ah, mission terminée, ouais. Il faut que j'aille sur le Nexus pour finir la quête de l'assassin. De la lumière réfractée par de la glace dans le fléau, c'est tout. Je vais recalibrer les capteurs sur... Alors, besoin d'aide. Bonjour, Aider. Pardonnez votre présidence, j'ai rencontré un problème que Sam et vous devriez régler rapidement. Ça m'aiderait pour la quête sur le fléau. On va discuter au laboratoire du Nexus, docteur Adrienne. J'ai encore l'odeur des maintenant j'y pense, ça me rappelle certains temples de Tessia. C'est bien comme ça, si vous voulez faire du yoga, vous voyez, ben, Mass Effect Andromeda vous y aide. C'est vraiment des trucs complètement inutiles, quoi. Allez, en direction pour le Nexus. Ce chien va finir par me rendre chèvre. Alors, comment on fait pour revenir en arrière? Ça, c'est pour le scanner. Voilà, c'est espace pour revenir en arrière, j'avais oublié. Alors, Nexus. Bah, on arrive en territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là. Et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. Bah si, nous on a déjà tout exploré. Pourquoi on me fait chier là?
Ah, mais c'est qu'on peut passer en appuyant sur tab. Non, là non. C'est dommage. Mais bon, ouais, si on peut se permettre de passer les déplacements comme ça intersidéral, franchement, je dis pas non. Je trouve qu'ils sont d'un ennui, mais alors. Si vous entendez un couinement ou deux, c'est mon chien qui est en train de jouer avec son jouet. Hein, donc, soyez pas surpris. Ce n'est pas moi qui invente de nouveaux bruits. Putain, plus lent encore, sérieux quoi, on a que ça à foutre. Pionnière, c'est bien vrai? On colonise Eos? On nous a déjà fait le coup. Mais Eos a changé. Pas vrai, Pionnière? C'est bon, tout le monde se calme, écartez-vous un peu. Je suis le lieutenant Sayax, l'aide de camp de Kandros. Ils tenaient tous à vous voir. Ils retrouvent une lueur d'espoir, ça faisait longtemps. Détendez-vous, lieutenant. S'il y a bien un jour où on peut sortir le champagne. Absolument. L'initiative est à nouveau sur les rails. Enfin. Professeur Eric, c'est bien ça? Ce que vous avez accompli avec ce caveau reliquat, c'est du jamais vu, pionnière. C'est inimaginable. Mais avec le réveil de nouveaux scientifiques, on va percer tous ces mystères. Tout le Nexus en profitera. Auguste Bradley supervisera tout ça. C'est le nouveau maire. Bradley? Je le connais. Il a l'air d'un type bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un nouveau monde à découvrir. Merci, Ryder. Ben de rien. Alors maintenant, faut que je me refasse au Nexus. Oui, il y a les ascenseurs principaux là-bas. Moi, j'ai appuyé sur le jetpack pour accélérer un petit coup, mais non, on ne peut pas. Je sais même pas où je vais là. L'expédition sur Eos dans le système Piteas a mis au jour un mystérieux bâtiment que les autorités nomment un caveau. Bien que l'on ne sache pour l'instant pas grand-chose. Bah, apparemment, ça va, je vais au bon endroit. Reynolds a été tué par un ennemi qui lui a tiré dans le dos. Vous l'avez manqué. Hein? Vous êtes sérieuse? Par les esprits, quelle bonne nouvelle! Pas si vite. L'omnitech de Reynolds vous a enregistré quand vous vous êtes approché du corps. Sam, lecture. Désolé, mon vieux. J'avais pas le choix. Je compte pas mourir sur ce cas. D'accord. En fait, il a cru qu'il l'avait tué. Pas simplement la conviction de l'avoir tué. Vous en aviez aussi l'intention. Ouais, voilà, ouais. Juste de dire que c'était pas moi, alors qu'il y a d'importance. Ouais, mais t'en avais l'envie. Pouvoir annuler la condamnation. L'accusation est caduque. Monsieur Tan décidera des mesures à prendre. Vous avez essayé de cacher la vérité. Désolé d'avoir menti, mais si j'ai raté mon tir, je suis innocent. C'est pas plus compliqué que ça. On verra bien. L'intention de tuer, je suis pas sûr que tu sois si innocent que ça, mon grand. Hein. Alors, parlez à Tan. Bon, on va faire ça, de toute façon, je pense qu'on aura le temps. Addison, ouais, c'est peut-être l'autre connasse là, qui arrête pas de nous dénigrer là. Genre, ouais, on vaut pas le coup en pionnière. J'ai vais la défoncer là. Vous avez bousculé les choses, pionnière. Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer. Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative. Les PVA. Il ne reste plus qu'à les dépenser. Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité. C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier. Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromède viable, ce qui renforce nos capacités à tous. Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de stase. Vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à Prodromos? À vous de décider. Breka vous présentera l'interface et il gérera les détails. Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie dans Andromède, sans vouloir vous mettre la pression. Ah, là elle se calme un peu là, hein. Bonjour pionnière, je suis Vladimir Breka, administrateur du déploiement cryogénique C63 Galactique. Et je suis un robot. Votre première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative. Même Sam il paraît moins robotique. C'est une blague? Oui bien sûr, mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission.
pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'Andromède ? Une bonne partie des préparatifs dans la Voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite. Les seuils concernent la capacité, mais là, il s'agit du coût, de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens. Les points sont un système assez rudimentaire, mais ils ont le mérite d'être clairs. Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer. Comment vous mesurez ces seuils ? Ils sont basés sur une estimation des ressources et sur la stabilité générale. Ce sont des indicateurs, des objectifs et des risques acceptables. Plus vous accomplissez de choses, plus notre capacité de prise en charge augmente, et plus l'initiative peut vous soutenir. Pour faire simple, plus vous en faites, plus on peut se développer. Donc, je dois décider quel groupe réveiller. Mais tout le monde finira par sortir de stase, non ? Absolument. Mais les choses ont un ordre. Elles doivent rester organisées. On ne peut pas déployer d'omelette sans déployer d'abord des œufs. Et ces œufs ne vous donneront pas de steak. Sauf qu'on parle de gens et du commencement de notre nouvelle vie. Bon, Breka, je commence par où ? L'interface est active et ne répondra qu'à une pionnière. Elle est prête pour votre première sélection. Vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative. Oh, je comprends pas. Alors, c'est soit on a dit au mec, tu fais comme si c'était une voix off, une voix de robot, et le mec il a enregistré ça comme ça, soit on lui a dit, tiens, il faut que tu récites ça. Le mec il a dû se dire, bah attends, ça doit être un truc de tuto, donc ça doit être un truc de comme si c'était un robot, donc je vais parler comme si c'était. Mais je trouve que vraiment là, le doublage, merde, j'en veux pas aux doubleurs, hein, franchement, hein, ils font leur taf, hein, point barre, hein, ils ont pas toujours toutes les informations qu'il leur faut sur comment ça va être dans le jeu, hein. Mais là, vraiment, wow, même Sam il est plus humain, dis donc, et. Pile. Il est fou ce chien, il me lèche la main et tout pendant que je suis en train de jouer. Alors, module scientifique, module militaire, module commerciaux. Je vais prendre ça. Clairement, je prends ça. Alors, 0 point de module stase. Donc en fait, je dois avoir un point, j'imagine. J'ai pas fait gaffe combien j'avais de points. J'avais pas vu que c'était marqué là en fait. Et c'est de là que je vais prendre après. Ouais. Merde. J'ai raté la descente. Pas de nouvelles de l'arche turienne pour le moment. À moins que vous veniez à propos de la milice. Au revoir. Chef d'équipe Apex au rapport. Salut Ryder. Vous avez un moment ? Oui ? Lieutenant Sayax, c'est ça ? Exact. Je monte des groupes d'assaut de l'Apex pour protéger les gens et les structures que vous installez ici et là. Mais comme on ne sait pas trop à quoi on va avoir affaire, votre expérience pourrait nous être utile. Je vais dire à Sam de vous transmettre tout ce qu'on a déjà sur les cartes, les reliquats et les hors-la-loi qu'on a rencontrés. On a rencontré zéro hors-la-loi. L'Apex fera la différence. Rappel à tout le personnel. Les heures supplémentaires restent en vigueur. Demande de ravitaillement reçue. Stock de munitions réduit aujourd'hui. Il est où celui que je dois parler là pour la... Bienvenue, le directeur Tan vous attend. La dernière fois que je suis venue, on aurait dit un placard.
La chambre des pionniers attendait votre venue pour ouvrir. La zone commune est toujours en préparation. La ferme hydroponique ne fonctionne que partiellement. C'est insuffisant. On manque de main-d'œuvre. Mes ouvriers ont besoin de repos, Tan. Je comprends bien, mais pas de repos tant que notre survie est toujours en péril. Veuillez m'excuser, je dois rencontrer notre pionnière. Ah, Ryder. Addison m'a parlé de l'avant-poste. Vous êtes l'héroïne du moment. C'est pas encore l'heure des festivités. On n'a toujours pas trouvé de foyer. Inutile d'être aussi humble. Vos victoires vous donnent plus de poids face à vos détracteurs. Et vous êtes mon meilleur ami. Un mécène qui partage votre vision d'un avenir prospère, plutôt. Sauf votre respect, Monsieur Tan, vous ne savez rien de moi. Je pense que si. Votre ingéniosité parle d'elle-même, Ryder. Le décryptage d'un caveau, la terraformation, ce n'est pas exactement ce que nous imaginions, mais vous avez su improviser. Et maintenant, l'heure est à la fierté. Vos trophées sont les premiers de la chambre des pionniers. Vous êtes un symbole maintenant, Ryder. Une lueur d'espoir pour les gens. Je n'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ils sont tous extrêmement doués. Mais vous êtes leur guide. Faites gaffe, Ryder. Il va finir par vous adopter. Ah, mon personnel. Vos collègues. Vous n'essayez que... Je vous rappelle que je suis le directeur de l'initiative. Directeur suppléant. C'est pas le moment de se battre pour savoir qui mérite d'être roi. Il y a trop en jeu. On doit tous travailler ensemble. C'est ce que je dis depuis qu'on est arrivé. Alors j'espère que notre pionnière m'accordera son soutien. Votre décision concernant Eos me préoccupe, Ryder. Un avant-poste rempli de scientifiques, c'est risqué si les cartes attaquent. Mais c'est utile pour le Nexus. Leur recherche pourrait nous aider à nourrir tout le monde. Nous pourrions en débattre toute la journée, comme nous savons si bien le faire. Mais la décision est prise. Qu'avez-vous prévu pour la suite, Ryder ? On tient une piste sur le réseau de terraformation. Je dois aller plus loin dans le secteur avec le Tempête pour en savoir plus. Si les autres mondes en or sont là où ils sont censés être, ça pourrait nous en rapprocher. Faites attention. Les cartes fouillent tout le secteur à la recherche de reliquats. Ils s'en prendront à vous sans hésiter. Vous pourriez aussi tomber sur des exilés. On ne sait pas vraiment qui t'es en bon terme. Et il nous faut d'autres avant-postes. On en a besoin pour agrandir la station. Mais comme il nous manque encore des arches, ce serait l'occasion pour Ryder de les chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Vous avez mon autorisation. Allez, ça, on va être gentil. Merci, directeur. J'y vais de ce pas. Que votre torche éclaire la route devant vous, pionnière. Oh. Bien sûr. J'aurais pu lui mettre une tonne de giplas, là. J'ai pas besoin de ton autorisation, t'as donné. Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre frère, en quelque sorte. Passez-nous voir à l'infirmerie de l'Hyperion quand vous pourrez. Ça marche. Rappel, il vous reste des PVA à dépenser. Ah bon ? Oui, je dois parler à l'assistant d'Addison au sujet des avantages de viabilité. Ça a l'air utile. Vous avez eu un an. Mais non, j'ai apparemment dépensé, puisque... comprends pas, là. Tiens, Drac. Pourquoi je t'ai raconté cette histoire ? 343. Sans blague, t'as compté ? Ryder, cet endroit est pas croyable, hein ? Une station spatiale un peu cabossée ? Vous auriez dû la voir il y a un an. Elle était pas juste un peu cabossée. Enfin, merci de m'avoir accueilli. Tan ne peut plus me virer de la station maintenant. J'ai passé un peu de temps avec ma petite fille. Ah, mais c'est bien ça. Vous avez vraiment manqué. Hein. C'est rien de le dire. Elle a pas besoin de ma protection, mais c'est rassurant d'être pas loin. Au cas où... J'imagine à quel point c'est d'être... comment dire... juste un peu... pourquoi je passe par... non, j'ai pas besoin de passer par là. Flippant de sortir avec une Krogan. Pas par le fait qu'elle peut être violente, mais plutôt parce que le père peut être violent. C'est par là, hop.
Alors attendez, déjà je vais faire ça. J'ai 8 points. Ah, je suis passé niveau 9, dis donc. Hop là. Alors, donc j'ai allégé ça. Alors ça c'est quoi? 15% de vitesse de rechargement ou 25% de chargeur des fusils de pression. Les deux se valent quand même. Hein. J'aurais préféré les deux d'un coup et un autre truc qui me sert à rien. Hein. De force des fusils de précision, je comprends pas ce que c'est qu'une force de fusil. Les dégâts, je veux bien, mais la force. Les deux derniers sont sympas, hein. Je vais prendre celui-là quand même. Les deux derniers sont sympas, hein, franchement. Hein. Bon, je pense que je prendrai lui parce que je peux pas me faire un max de dégâts en une seule fois, mais. Donc bon, c'est quoi que je voulais faire moi ça. Du coup, oui, j'ai pas fait la mission en fait. Je suis en train de me dire. J'ai parlé avec lui pour la suite de la mission principale, mais pas pour... Pas pour la quête. Ce système de terraformation. Mais qui était-ce? On n'en est pas encore sûr, mais on a une piste. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Monsieur le directeur, j'ai enquêté sur le meurtre. Nielken ne l'a pas commis, mais j'ai des preuves indiquant qu'il l'avait prémédité. Oh, c'est regrettable. Nous essayons de donner au peuple un sentiment de stabilité, des chefs sur lesquels ils peuvent compter. Et nous établissons la jurisprudence d'Andromède. Mais nous voici avec un homme reconnu coupable de meurtre alors qu'il n'a pas commis le crime. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc avec la justice. Je sais. Si nous ignorons les preuves et maintenant l'accusation, nous bannirons un homme pour un crime que techniquement, il n'a pas commis. Ça. Si nous annulons l'accusation, nous libérerons un homme qui a voulu se salir les mains et dissimuler. Et c'est ça aussi. Doit-on toujours l'exiler pour meurtre? Ah putain, c'est chaud! La situation était chaotique. C'était une question de vie ou de mort pour lui. Mais son coup n'a pas tué Reynolds. On doit le libérer. Vous êtes quelqu'un de réaliste. J'espère que nous ne le regretterons pas. Ben moi aussi, hein. C'est décidé. Il fera des travaux d'intérêt général pour sa participation au chaos. Mais c'est un homme libre. Ah, au moins, cette affaire sordide sera bientôt derrière nous. Compétence améliorée pour une compétence plus 4. Ouais, je suis passé niveau 10. Alors. Et donc on finit avec celui-là. Donc après, aptitude de combat Kezako, 8% de santé, 8% de bouclier, plus une taille de l'arsenal, je sais pas ce que c'est, 25% de capacité des poids des armes, ça peut être sympa, 20% de limite de régénération de santé, 50% de régénération de santé et 20% de régénération de bouclier, ouais, 30% donc on prendra ça, 20% de capacité de chargeur des armes, 25% de réserve de munitions pour les armes, plus 1 pour toutes les capacités d'accumulateur et pouvoir, ouais, plus une taille 1. Plus de 25%, on prendra ça. Réduction de vie de régénération à couvert 50%, résistance aux dégâts à couvert 100. Résistance aux dégâts quand santé basse, et on prendra ça aussi. Mais, outil de combat Kezako. On s'en fout en fait de tout ça. C'est pour le corps à corps tout ça. Et les vols stationnaires. Et vu que je me sers pas du tout du corps à corps et du vol stationnaire. Ah, fin de l'épisode. On va continuer à regarder un peu tout ça.
Alors déjà ça. Artilleur d'initiative débloqué. Le profil soldat a atteint le niveau 2. Hein? Alors, en pouvoir tech. Donc ouais, comme je me disais la dernière fois, il n'y a en effet pas de... pas de moyen de se camoufler, quoi. En fait, je me suis fait chier à mettre des points là-dedans parce que putain, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Oh, 40% des poids des armes. Putain. C'est plutôt là-dedans que j'aurais dû mettre des points. Hein. Ah, qu'est-ce que ça cause ça? Ah ouais, c'est ce que j'ai vu un joueur se servir dans le multi. C'est inconnu, tu utilises la technologie reliquale pour déverrouiller cette compétence. Ah, mais il est là comme flash tactique! 9 points de compétences investis dans les pouvoirs tech. Ah, oh, ben voilà qui est une bonne idée! Voilà qui est une très très bonne idée! Voilà, après comme ça je pourrais enfin être à l'aise. À l'aise Blaze. Donc il me faut 9 points dans les compétences tech. Bon, on sera pas pour tout de suite, mais voilà. Ok, je sais où je vais. Là, voilà. Les prochains points que je mets, ce sera pas encore sur, sur les pouvoirs de combat, mais ce sera sur les pouvoirs tech. Comme ça, je me débloque le camouflage, je me le mets à fond. Vous allez voir, camouflage tactique, c'est très bien. Et je prendrai ça en dernier. Ouais, ouais, c'est exactement les mêmes pouvoirs. Ah, c'est parfait. Ah, c'est cool. Ça me rassure à mort de le retrouver là, lui. Et en profil donc, soldat rang 2. Pourquoi rang 2? Ah d'accord, bonus rang 2, ok. Et donc faut que j'investisse 12 points de compétences, ok. 54 points de compétences investis dans le combat. Ok, ok, ok. Ouais, donc il y a moyen de bien se spécialiser quand même, hein. C'est énorme. Bon, bah écoutez, voilà, ça fait de bonnes informations pour cette fin d'épisode. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé de voir tout ce petit côté-là hors gameplay, on va dire. Hein. Enfin, alors, on va rester à côté d'elle, parce qu'après, il faudra lui parler, apparemment. Enfin, hors gameplay, hors narration d'histoire, en tout cas. Parce que ça reste du gameplay, hein. En tout cas, si ça vous a bien plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, tout le monde, et amusez-vous bien.